Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être en permanence des nôtres. Sous Patrice Talon, dit-on, fini au Bénin les saisons tonitruantes de grèves perlées, de sit-in à tout va et de marches de protestation tous azimuts. Des réformes structurantes seraient passées par là, offrant aux partenaires sociaux quelquefois remontées contre l'autorité des cadres, dit-on, adéquats du dialogue cyclique. Les acteurs politiques, rapporte-t-on, ne seraient pas non plus du reste. À l'heure du bilan, que dire des libertés individuelles et collectives à l'aune de ces réformes? Sont-elles plus que jamais renforcées ou affaiblies? La préoccupation, mesdames, messieurs, ne gardien de ce numéro de votre émission 100% Bénin sera soumise à l'appréciation de deux hommes, deux enseignants. Ce sera autour du thème « Libertés individuelles et collectives sous le régime Talon ». 5 ans après, quelle avancée. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, M. Richard Aglaka, enseignant, il est acteur politique de la mouvance, l'un des membres fondateurs de la formation qui n'est plus vraiment à présenter, BR, Bloc Républicain. M. Richard Aglaka, bonjour. Bonjour, Monsieur Etendi. Merci de répondre à cette invitation. Merci. En face de vous, un autre enseignant, un universitaire qui n'est plus à présenter vraiment sur ce plateau, le professeur Aimé, bienvenue à Volontor, professeur agrégé de linguistique, intervenant au département d'études françaises à l'Université York à Toronto, Canada. Il est analyste des dynamiques de politiques africaines. Monsieur Aimé, bienvenue à Volontor, bonjour. Bonjour Monsieur Yetondi, bonjour Monsieur Aglaka et bonjour à vos auditeurs. Et vous répondre, merci d'être des nôtres. Alors, 4 ans et plus au palais de la Marina, Patrice Talon devra sous peu, mesdames, messieurs, mettre en jeu le fauteuil présidentiel. Au nombre des chantiers sur lesquels le chantre du nouveau départ était attendu, les questions des libertés individuelles et collectives, celles-là même ayant, dit-on, contribué pour une large part à son retour au pays, puis à son élection. J'aimerais me retourner d'abord vers M. Richard Aglaka. M. Richard Aglaka, la flamme de ces libertés dites individuelles et collectives, quel en est son état aujourd'hui, si vous devez apprécier? Merci, M. Etendi. Ce que je voudrais d'abord commencer par dire, c'est par rapport à votre mot introductif. Vous avez dit tout à l'heure que c'est fini. Plus de marche, plus de... Non. Non, non, pas plus. On a précisé. Tout tonitruante qui va dans tous les sens. Vous avez utilisé le mot fini. Fini. Voilà, c'est oui, ça. Fini. Donc, les marches tonitruantes, ça ne se fait plus à la va-vite. Tout est limité, réglé. Ou bien ce n'est pas le cas. Il y a un cadrage désormais. Je crois quand même que ce n'est pas fini. Parce que lorsque... On dit que c'est fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus, dans un état de droit, on n'est plus dans une démocratie. Ah bon, c'est sous cet angle-là que vous parlez. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais saison où ça déambule tout le temps... Non, mais c'était un désordre. Et bon, c'est de cela qu'on parle dans l'introduction. On a ajouté tonitruante. Fini, là. On reprend l'expression parce que c'est pas important ce que nous disons là. C'était exactement dit ceci. Fini au Bénin, les saisons tonitruantes. Tonitruant de quoi? De grève perlée. Ça va dans tous les sens. De sit-in à tout va. Et de marche, de protestation tous azimuts. Alors, voilà un peu bon, l'expression. Bref, c'est qu'aujourd'hui, comme on peut le constater, le pays se porte mieux que par le passé. Simplement parce que, en ce qui concerne les libertés, nous sommes aujourd'hui conscients que notre liberté individuelle doit avoir des bornes. Nous sommes conscients que lorsque notre liberté porte atteinte à l'autre, nous ferons face aux exigences de la loi. Et donc, il faut retenir simplement qu'il y a eu une amélioration donc, du paysage des libertés au Bénin, et ceci au profit, bien entendu, du développement de l'ensemble du pays. C'est ce que je vais dire en introduction. En introduction, oui, la question est de savoir, monsieur, à Volontor, la flamme de liberté individuelle et collective, à quelques mois de la fin du quinquennat, quel est le regard que l'université porte sur ce palier? En fait, je souris à entendre mon vis-à-vis parler d'amélioration, de responsabilité. En fait, il y a deux séries de baromètres. Hein.
les baromètres que le régime Talon lui-même s'est forgé et qui, en dithyrambe, magnifie tout, et les baromètres indépendants de leur contrôle qui, chaque fois que ça doit tonner, eh bien, va systématiquement révéler les tares d'un régime totalement en déliquescence. Je ne vous apprends rien à vous parler de cette décision du 7 octobre dernier de l'OFPRA et qui suspend le Bénin pour la première fois des pays de la liste des pays sûrs. Et ça, si c'est le symbole de l'amélioration des libertés, eh bien, nous ne devons certainement pas naviguer dans les mêmes sémantiques. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin en vous disant qu'en réalité, l'option de démantèlement systémique des socles de notre société post-1990 et du bien vivre ensemble qui en est découlé, ce n'est pas un choix de hasard hein, de Patrice Talon. Quand mon vis-à-vis dit qu'il faille répondre de ses turpitudes soi-même, je vais lui demander, est-ce que le président Talon répondra alors de la prédation de la prédation de l'économie de ce pays-là, dont il se rend coupable? On n'a même plus besoin de démontrer cela. En réalité, monsieur Yetondi, c'est une stratégie universelle, hein, c'est reconnu. C'est l'un des outils en stratégie universelle qu'utilisent tous les régimes autoritaires, totalitaires et despotiques, c'est de masquer les gravités de leur pillage des ressources des pays dont ils sont les despotes en enfermant toutes les bouches et tous les esprits qui pourraient se lever pour dénoncer la chose. Et c'est vraiment un plan savamment mis en place, malheureusement pour ce pays-là, depuis bien avant même la candidature, parce qu'on se rend compte que c'est dès le premier jour, les premiers jours de la candidature, que l'instrument a été mis en place. Votre vis-à-vis parle de cadrage, de quelque chose qui se fait et qui n'honore pas et qui n'aide pas aux questions de développement, pour le paraphraser. Si vous permettez. Oui. Si vous permettez, c'est permis. Je crois qu'on doit revenir dans le débat. Il s'agit de questions de liberté et essayons donc de rester dans le débat. Ce que je voudrais dire, il évoquait tout à l'heure l'appréciation d'une institution. Moi, je voudrais dire ceci. On a eu, dans ce même pays, des institutions internationales mieux respectées que celles-là, qui ont, disons, tiré un coup de chapeau, non seulement aux réformes entamées, engagées par la République, par le gouvernement, mais aussi et surtout par rapport à son économie, dont vous parliez tantôt. Que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale et beaucoup d'autres institutions ont reconnu qu'au Bénin, il fait bon vivre. Aujourd'hui, si après 4 années, bientôt 5 ans, une seule institution vient dire que voilà, c'est un pays, il faut faire attention, etc., ça n'engage que cette institution parce que nous ne savons pas sur quel fondement cette institution s'est basée pour faire une telle déclaration. Toujours est-il que le Bénin se porte très bien et les questions de liberté sont respectées. Aujourd'hui, au Bénin, pas plus qu'hier, d'ailleurs, parce que, et je reprends un peu, parce que hier, dans ce même pays, nous savons ce qu'a été la liberté. Quand je prends les 4 premières années de l'ex-chef d'État, M. Yahya Boni, de 2006, à 2010, par exemple, ou à 2011, pour prendre le premier mandat, nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Il parle de musellement. C'est faux. Aujourd'hui, la presse, par exemple... Non, nous n'avons pas des libertés individuelles et collectives. Bien sûr. Quand je parle, je prends par exemple le domaine des grèves. Oui. Prenons le domaine des grèves. Même le président Yahya Boni avait reconnu en son temps qu'on ne peut pas aller de l'avant, qu'aucun pays ne peut se développer en faisant de cette manière désordonnée les grèves. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous avez les moyens, les outils et constitutionnels qui existent, qui sont mis à votre disposition pour manifester. Certes, mais dans le même temps, vous devrez avoir le sang patriotique et savoir jusqu'où vous pouvez pousser
votre nervosité. Cela ne sert à rien, par exemple, de fermer les hôpitaux, de fermer toute l'administration judiciaire, par exemple, de fermer les écoles sous prétexte qu'on est en grève. Le pays ne peut pas aller de l'avant de cette manière-là. Oui, mais c'est pour cette raison, justement, qu'il a fallu, par exemple, trouver les moyens pour encadrer un peu tout ceci. Cela ne veut pas dire que les libertés en ont pris un coup. Non, au contraire. Moi, j'ai beaucoup d'amis, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, que ce soit des gens qui sont à l'extérieur, tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Bénin se porte mieux au plan des libertés. Merci beaucoup. Je voulais poser ma question, mais vous m'avez interrompu, je l'ai permis. À raison, je retourne plutôt la parole alors au professeur Avolonta. Professeur Avolonta, vous avez parlé de l'OFPRA, votre vis-à-vis a servi sa réponse des choses. Une institution parmi tant d'autres a-t-il dit, ensuite il a évoqué les questions des grèves. Votre réaction avant qu'on évolue? Vous savez, je voudrais parcourir pendant l'émission quatre ou cinq grands chapitres. D'abord, les faits majeurs de restriction des libertés. Je parlerai donc de la suspension des organisations syndicales et estudiantines, du retrait du droit de grève des travailleurs, de l'atteinte aux libertés d'association et de manifestation. Et je vous parlerai des instruments que le gouvernement a mis en place pour atteindre ces objectifs. C'est le code du numérique, c'est le code pénal et la politique pénale en matière de liberté de presse et d'opinion. On parlera de la liberté de presse après. Des lois électorales d'exclusion, la Sénat, le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle, qui sont les instruments qu'utilise le régime. Et la CC qui, normalement, devrait en fait être la garante de ces libertés, s'en trouve être l'instrument par excellence de leur démantèlement. Et cette prédation des libertés, je vous le dis et je le répéterai tout au long de l'émission, c'est tout simplement dans un seul but. C'est dans le but de masquer la prédation économique qui pèse aujourd'hui sur ce pays-là. Et nous y reviendrons. Et allons-y rapidement, le temps ne nous appartient pas. Illustrons, s'il vous plaît, il voudra réagir. À l'OFPRA, s'il vous plaît, votre vis-à-vis, monsieur Avolonta, a avancé son regard. Il a parlé aussi de la question des grèves qui entrent en ligne d'une régulation et d'un assainissement, a-t-il dit, d'un cadrage. Votre réaction et ensuite des faits illustratifs pour que votre vis-à-vis puisse apprécier, s'il vous plaît. Est-ce que... D'accord. S'il vous plaît, il a la parole. D'accord. Oui, vous allez-y, monsieur Avolonta, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut gérer autrement la parole? S'il vous plaît. Oui, monsieur Avolonta, vous avez la parole. Alors, je voudrais rappeler à monsieur Agblaka deux ou trois faits en 2016. Je veux rappeler à monsieur Agblaka la journée du 20 janvier 2016, où Pascal Irénée Koupaki a été renvoyé par les étudiants alors qu'il essayait de vendre à l'époque, hein, c'était le 20 janvier, donc le régime en place n'était même pas, enfin actuel n'était même pas encore en place. Et ça va avoir un effet. Vous voyez un peu toutes les contradictions. Vous voyez toutes les contradictions de vos lectures. Ensuite, si vous permettez. Ensuite, je vais lui rappeler la date du 13 juin 2016, où le CINARES s'est opposé à cette compression des universités lancée à la tout-va par le gouvernement, une réforme que n'a pas approuvé ce syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur, et qui a été sanctionné, ce rejet qui a été sanctionné par une déclaration de ce syndicat. Mais ce sur quoi je voudrais attirer, c'est en fait la date du 26 juillet 2016, où les étudiants tout de noir vêtus, des étudiants de Tel Aviv, ont battu le macadam de la place rouge à la bourse du travail. Et cette marche pacifique, ils ne cassaient rien, ils marchaient. Cette marche pacifique qui visait tout simplement à protester contre la suppression de la seconde session à l'UAC a été réprimée par les forces de l'ordre, mais alors vraiment dans le sang, pour, écoutez bien le motif, pour non-respect d'itinéraire par les manifestants. Et les secrétaires généraux des centrales syndicales se sont levés
pour apporter leur soutien à la communauté estudiantine, cette suspension des activités des étudiants a soulevé le tollé, et c'est là où, en réalité, la machine de démantèlement de tout s'est alors mise en place. Le 5 octobre 2016, par décision du Conseil des ministres, eh bien, le gouvernement suspend les organisations syndicales, une déclaration qui déclare en fait la guerre aux étudiants, ou du moins à ceux-là, les plus tenus d'entre eux, qui oseront parler. Et nous en sommes où aujourd'hui? Nous en sommes à ce que la Cour Olo, la Cour constitutionnelle Olo, a déclaré non conforme à la Constitution cette décision, qui va être reprise plus tard par non moins que le grand professeur titulaire. J'ai vu que la semaine dernière, il a été nommé professeur titulaire. Je me demande s'il osera encore, je parle de M. Diogbenou, s'il osera aller dans un amphi pour enseigner le droit, M. Diogbenou, parce que sa cour, la Cour constitutionnelle dont il est le président, vient inférer une décision d'une Cour constitutionnelle. Un an et demi plus tard. En fait, nous sommes dans un... Non, nous ne sommes même plus dans un marché de dupes. Nous sommes tout simplement dans l'errance de l'inconséquence par excellence, tout simplement. Vous permettez, c'est très fort ce que vous sortez là. Oui, M. Aglaka, vous avez observé ce qu'il prend à titre d'illustration, par exemple. C'est quoi la lecture que vous en faites, M. Aglaka? Je voudrais d'abord souligner toutes les contradictions de ce discours. Excusez-moi, que je n'arrive même plus à suivre, parce que on évoque des faits qui sont des faits, parce que nous parlons des 5 ans. Tout à fait. De M. Talon. Oui. Mais on va jusqu'à parler, on va en arrière, on parle de faits qui se sont déroulés sous le président Yahya Boni, etc. Bref, ce que je voudrais dire, moi je ne veux pas raisonner comme lui. Pourquoi? Parce que lorsque le gouvernement s'est installé, il y avait, disons, des habitudes dans le pays. Et ces mêmes habitudes étaient déjà dénoncées par son prédécesseur, notamment en ce qui concerne, par exemple, les grèves, notamment en ce qui concerne, par exemple, les marches désordonnées, où dès qu'il y a un souci... On bat le macadam, on va s'asseoir sur les routes, on casse. Et ça, tout le monde est d'accord que ce n'était pas la meilleure méthode. Et donc, à l'entame, le gouvernement a initié une série d'audits, une série d'investigations pour savoir exactement quelle forme devraient prendre désormais ces revendications. Et lorsqu'il parlait des étudiants tout à l'heure, personne n'a empêché aux étudiants de marcher. La preuve, c'est qu'ils ont marché. Et ça a été réprimé comme ça. Ça n'a pas été réprimé, je suis désolé. Ah ils bon? Ont marché, mais ça n'a pas été réprimé. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez, dans votre demande de marche, proposé votre itinéraire. Et lorsque, sur le terrain, alors que tout était mis en place pour vous conduire vers là où vous devez prononcer votre discours, lorsque, à un moment donné, vous changez d'itinéraire, ça pose un problème par rapport à la sécurité de la ville. La police devrait agir comme elle a agi, là Moi, je dis ça pose un problème par rapport à la sécurité des autres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Notre liberté a des limites, a des bornes. Vous avez dénoncé la suite de la gestion de cette situation. Et donc, ce que je veux dire, le cas des étudiants qui est un cas, disons, isolé, qui n'a pas suscité outre mesure, disons, des tensions... Contrairement à ce que mon cher ami professeur disait, il faut reconnaître également que, en ce qui concerne la cour dont il parlait tout à l'heure, moi je ne suis pas juriste. Mais fait des étudiants, on se rappelle effectivement que finalement, la liberté de réunion, il y a eu une formule proposée par le gouvernement qui n'a pas plu aux étudiants, ça a généré d'autres actions par la suite. Mais, et puis il y a eu cette intervention de la Cour constitutionnelle. Sans être juriste, vous pouvez apprécier. C'est ce que je dis tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, pardon. Lorsque le gouvernement a constaté que cette manière de conduire les grèves
n'étaient pas de nature à effectivement obtenir gain de cause, parce que finalement, on veut tout obtenir par la force. Il a fait des propositions. Et puisque nous sommes dans un état de droit, les étudiants sont libres d'accepter les propositions qui ont été faites par le gouvernement. Et je crois que là-dessus, il y a eu finalement beaucoup de pourparlers. Et quoi qu'on dise, les étudiants sont totalement libres d'exprimer leur opinion, d'exprimer ce qui ne va pas, de contester ce qui ne va pas, ceci en respectant, bien entendu, les lois en vigueur dans le pays. Alors, liberté individuelle collective en sursis, M. Agblaka dit non, on ne peut pas le dire. Monsieur Avalonta, vous maintenez votre position, les libertés individuelles ne sont que liberté de mots. On peut avoir d'autres faits illustratifs? Oui, mais avant même que je vais vous donner des faits tout à l'heure, mais avant qu'on aille là-bas, un peu plus loin, je suis attristé par ce que, j'étais tenté de dire raconte, mais par respect, je ne le dirai pas, ce que dit M. Agblaka. M. Agblaka, est-ce que vous êtes d'accord avec moi simplement que les décisions de la Cour constitutionnelle telles que codifiées dans notre Constitution ne devraient souffrir d'aucune remise en question, oui ou non? Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non à cette question, avant qu'on aille plus loin? Vous êtes désormais le journaliste qui pose des questions. C'est non, le cas. Non, je laisse faire exprès. Vous êtes désormais le journaliste qui pose des questions. Ce qui se passe dans vos propos, je veux les comprendre. Si vous prenez désormais le rôle du journaliste, tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là plutôt pour commenter votre discours et non répondre à vos questions. Je suis désolé. Vous avez compris. Parce qu'il y a quelqu'un qui joue ce rôle ici. Monsieur Avalonta, on va évoluer. Vous avez compris la posture de Monsieur Agblaka. Il y a quelqu'un qui joue ce rôle sur ce plateau. Répondre, vous mettrez à nu. Mais je vous recommanderais de lire un article, Monsieur Agblaka, qui vous ferait honte vous-même, parce que l'article de Deogratias Kendoho dans Bénin plus Opinion, c'était un article du 28 septembre dernier, où en fait vous verrez que tout ce que vous êtes en train de dire, votre président, le président Talon, s'inscrit en faux contre ça. Il assume fondamentalement mettre en péril les libertés pour un soi-disant développement. Donc, vous parlez de soi-disant développement. Avec tout ce qui se passe dans ce pays, vous parlez de soi-disant développement. Je vais vous poser une question. Ne me posez plus de questions, je suis désolé. Monsieur Avalonta, pour que nous puissions évoluer. Secrétaire général du syndicat national des eaux, forêts et chasse, vous êtes d'accord avec moi que ce monsieur a été radié de la fonction publique parce qu'en tant que syndicaliste, Il s'est prononcé contre la privation du parc Pandjari. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu interdiction des manifestations religieuses sur la voie publique, ce qui aurait pu être encadré, en fait, pour les prières du vendredi, avec lesquelles nous sommes toujours bien portés? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes un petit peu cultivé, je veux dire, si vous êtes un tout petit peu cultivé, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu divers arrêtés interdisant des manifestations? Je veux parler par exemple de l'arrêté du 30 décembre 2016 et du 21 juin 2017 dans le littoral par le préfet Toboula qui a tracé de recherche une ligne rouge. Je veux parler de l'arrêté du 28 février 2018 contrairement à ce que vous dites, qui interdit la marche des étudiants, l'arrêté du 28 février. Mais parlons de faits, monsieur. Ne conjecturons pas, ne nous enfonçons pas dans ce que vous avez fait faire de mieux dans cette prédation, dans ce système de prédation que vous avez mis en place. Le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Vous refusez de parler de faits pour conjecturer. Moi, je suis un chercheur, je reste dans les faits, monsieur. Ensuite, cette marche des femmes du marché sous la gouverne de Thérèse Wangwa, vous vous rappelez ce qui est arrivé par rapport à cette marche-là? Vous vous rappelez ce qui est arrivé en mai 2019 et en avril-mai 2020, qui continue en fait, jusque-là on ne sait même pas qui sont les maires
effectif et définitif de nos communes. On ne le sait pas parce qu'à chaque fois où il en est besoin, eh bien, vous avez soit des lois interprétatives, soit des attitudes interprétatives pour démettre. Je pense à la dame Fagohun, la fille de Fagohun, qui, il y a quelques semaines encore, était maire ou mairesse et ne l'est plus aujourd'hui. Vous, en fait, parlons de fait, monsieur, et n'essayez pas de noyer le poisson. Vous savez, si vous me connaissez de réputation, vous savez... Monsieur Avalonto, dans cette logique, il donne un exemple. Parlant des grèves, pour lui, ça participe d'une salubrité qui aura pour finalité d'impacter le développement. Vous vous en dites quoi, monsieur Avalonto? Alors, je vais vous dire, en fait, pourquoi est-ce que le président Talon s'est tout de suite levé contre les syndicats et les associations estudiantines? C'est parce que il parle de démocratie pagailleuse, et comme par hasard, vous allez retrouver le mot pag dans pagailleuse, comme par hasard. Enfin, bref, j'ai fait un petit jeu d'esprit par rapport à cela, mais je vous en fais grâce. Mais parce qu'il savait comment la télécommande, en fait, nourrissait les grèves et les mouvements intempestifs, il savait ce que c'est. Donc, en fait, le problème ne peut pas être sa propre solution. Patrice Talon est le grave problème. En fait, je dirais l'unique problème que ce pays-là a eu depuis 1990. Patrice Talon ne peut pas être la solution du Bénin. Ce n'est pas possible. Il n'usera que de ruse et de rage pour maintenir à flot, en fait, ce qu'il a acquis, soit parfois par travail, je dirais honnête, avec l'appui des gouvernants de l'époque, soit par prédation. Monsieur Avalonto, comme on dit, à chacun son regard. Peut-être, monsieur Richard Blacas, avec certains éléments, vont vous faire changer d'opinion, monsieur Richard Blacas. Il est question de développement, dites-vous. Et pour ça, il y a des préalables. Votre vis-à-vis n'apprécie pas les éléments évoqués sous cet angle-là. Il a cité un certain nombre d'exemples, pêle-mêle. Il y en a tellement cité, Vous voulez essayer, par exemple? On ne va même pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que je voudrais prendre principalement le cas des étudiants. Ok. Parce que si nous voulons que ceux qui nous suivent comprennent un peu ce qui se passe, prenons cet exemple parce qu'il est revenu plusieurs fois là-dessus. Allez-y. Le cas des étudiants. Moi, j'ai été secrétaire général de l'Union nationale des étudiants du Bénin. À l'époque, c'était le président Kérékou qui dirigeait le pays. Et je sais ce qui se passe. Derrière les étudiants, je sais ce qui se passe. Parce que j'ai été témoin d'un certain nombre de faits. Et nous allons constater que tout au long du mandat du général Kérékou, et les étudiants, quand bien même faisaient l'effort de manifester sagement, sans faire de casse, étaient contraints à aller dans ce sens, au point où très souvent, il devrait faire face, disons, à la méchanceté sorcière des forces de l'ordre. On a vu beaucoup d'étudiants qui ont été criblés de balles sous le général Kérékou, et ça s'est poursuivi sous le président Yahya Boni. Et cette fois-ci, c'était encore plus grave, parce que sous le président Yahya Boni, vous n'aviez même pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. En tant qu'étudiant, vous êtes obligé de respecter ce qui est là. Vous n'avez même pas... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le gouvernement de Patrice Talon a donné l'autorisation, et ça, moi, je salue ça, a permis aux étudiants quand même de manifester, de leur tracer, de leur demander leur itinéraire, quitte à ce que ces derniers respectent simplement cet itinéraire. Moi, je dis que le campus universitaire d'Abomey-Calavi n'a été jamais aussi calme ces 15-20 dernières années. Parce que, depuis que le président Talon est là, l'ordre est revenu. 15-20 dernières années? Non, ce que je veux dire, c'est que quand je compare la situation de ces 5 dernières années aux 15-20 dernières années, on va constater que la situation au niveau de l'université d'Abomey-Calavi est plus ou moins stable. Il y a moins de mouvements. Les étudiants peuvent aller tranquillement étudier sans craindre des mouvements perlés. De toute façon, on n'a même pas eu d'année blanche. Alors que sous Kérékou, il y en a eu. Sous Yahya Boni, il y en a eu.
Mais aujourd'hui, 5 ans après, on va se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'année blanche. Parce que, effectivement, les étudiants ont compris qu'on peut revendiquer autrement les droits. Et en suivant, bien entendu, cette directive, ils vont simplement aller étudier, composer dans des conditions pacifiques et obtenir leurs résultats. Monsieur Richard Blaka, ils ne sont pas là, ces étudiants, mais un exemple qui les a menés à donner un peu de la voix, je le rappelle ici, lors de ces manifestations anti-Covid, là, où malheureusement, il y a un des leurs qui est passé de vie à trépas et ce qui a suivi. Comment avez-vous vécu ce moment-là? Vous savez, c'est des faits très tristes et il faudrait saluer la mémoire de cet étudiant qui a été victime, disons, de ces soulèvements. Et c'est regrettable qu'on en soit arrivé là, parce que là, nous parlons d'une vie humaine. Et la vie humaine, elle est sacrée. Et là-dessus, la justice, sans doute, a fait son travail. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et je dis, moi, j'ai étudié. D'abord à l'URC, avant de continuer mes études en France, j'ai étudié, j'ai fait jusqu'à la maîtrise à l'URC. Et je sais ce qui se passe. À l'époque, on venait nous chasser même des résidences avec des barrières. Avant qu'on le retourne la parole à vos avis, aujourd'hui, M. Richard Blaka serait-il plus à l'aise à envoyer ses enfants à l'URC qui est pour étudier? Très à l'aise. Et je crois quand même que ce n'est pas seulement à l'URC. Aujourd'hui, et vous allez voir, de plus en plus de parents préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Parce que l'école publique, autrefois abandonnée, est devenue un lieu de formation assez sérieux. Et c'est pour cette raison que, désormais, les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Et de la même manière, ils préfèrent envoyer leurs enfants dans les universités publiques, notamment à l'UAC, parce qu'on est rassuré que non seulement on aura une formation de qualité, mais aussi la tranquillité, la paix. On ne va pas étudier en prenant des risques, on va étudier en allant vers la connaissance, en allant vers l'acquisition des connaissances. C'est ça aujourd'hui. Pas étudier en prenant des risques, le mot est franchement, en tout cas, savant. Monsieur Avolonto, oui, comment vous appréciez ce nouveau développement de votre vis-à-vis, avant qu'on ne parle de la classe politique et ses libertés associatives? Mais si vous permettez... Ah, vous voulez un ajout? Oui, tout à l'heure, quand il intervenait, oui, il a parlé de loi électorale exclusive. Oui. Je voudrais revenir sur cet aspect allez-y. De son intervention, oui, pour dire simplement que les lois telles qu'elles sont votées actuellement ne sont pas des lois exclusives, mais plutôt des lois qui renforcent non seulement notre état de droit, mais qui renforce notre système partisan. Nous sommes tous d'accord que tel que les choses fonctionnaient avant, n'arrangeait personne, parce que la politique était devenue une sorte de marché où des particuliers venaient simplement vendre de l'illusion à la population pour en retour en retirer toute la richesse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des lois qui sont proposées qui clarifient l'univers politique, l'univers des élections, quitte à ce que chaque parti politique puisse, se soumettre à ces lois et se conformer à ces lois. Malheureusement, on se rend compte que l'opposition béninoise n'est pas dans ce schéma. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de tout faire pour créer le désordre dans le pays. Monsieur Avolonto, oui, vous avez la parole? En fait, je suis ébouriffé d'entendre un enseignant tenir de tels propos, et j'ai mal pour le système éducatif de ce pays-là, parce que Monsieur Blaka, vous racontez des âneries, et à aucun moment vous n'avez attaqué ou mis en doute les faits que j'ai évoqués, à part de tourner en circularité, comme vous avez l'habitude de le faire dans ce régime-là, pour vendre ce qui n'est même pas vendable. En fait, Monsieur Blaka, le cas de Ignace Sossou, ça vous dit quelque chose?
Le cas de Sami Korogone, ça vous dit quelque chose? Le cas de Kazmi Pejo, ça vous dit quelque chose? Aziz Imoru, ça vous dit quelque chose? Damoku Mansou, dans un échange privé, ça vous dit quelque chose? L'autre Renou, ça vous dit quelque chose? Amis Draman, etc. Ça vous dit quelque chose, monsieur? Mais s'il vous plaît, vous me permettez une seconde. Permettez une seconde, s'il vous plaît. Permettez une seconde. Je dis et je le répète. Nous sommes dans un état de droit. Nous jouissons de toute la liberté. Et je dis, et je le répète, notre liberté a ses bornes, a ses limites. Et lorsque vous franchissez ces limites, lorsque vous franchissez, même vous qui êtes là, lorsque vous allez rentrer dans ce pays et que vous allez franchir les limites de votre liberté, vous ferez face à la justice de votre pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tous les cas que vous citez, ce sont des cas. Dans ce cas. Mais la parole m'avait été donnée. Allez-y, s'il Barthélémy vous plaît. Barthélémy Cassa. Est-ce que Barthélémy Cassa jouit aujourd'hui de sa liberté? Est-ce que Armand Grancet jouit de sa liberté? Quelqu'un qui a tenu des propos récriminables par la loi de peine de prison, des propos à dimension ethnique, et qui a bénéficié de compléments d'enquête, mais qui tout de suite a pu envoyer en prison celui qui a osé parler de l'affaire, celui qui a osé parler de lui. Vous me parlez de justice dans ce pays-là, vous me parlez d'assainissement, eh bien, si pour vous, l'assainissement, c'est ce climat bordélique que vous avez installé pour pouvoir empêcher les gens de se prononcer contre la prédation des ressources du pays dont vous vous rendez coupable et dont vous répondrez. Ça, je vous le conjure, vous allez en répondre. Ce ne serait plus à un moment ou dans un système que vous contrôlez, mais ce serait dans un système, justement, dont la neutralité servira à la justice. Monsieur Avolonto, oui. Mais j'aimerais, avec le développement que vous venez tous deux de faire, nous prier de faire un petit arrêt sur quand même les tests de loi. Il y a de ces tests qui sont venus comme pour mettre des balises à un certain nombre de niveaux. Je vais faire rapidement le virage vers les mouvements associatifs, pour parler des libertés associatives, des mouvements de protestation avec les politiques. Tout ceci dans un nouveau cadre de droit, un nouveau cadre juridique. Si vous devez vous prononcer sur ce cadre juridique, puisque comme on dit, il faut voir là où on a trébuché, je ne sais pas s'il y a problème là, puisque effectivement il y a un cadre qui est désormais défini. Votre regard sur ce cadre juridique? Alors, en fait, vous m'amenez à parler de ces instruments de démantèlement des libertés que sont le code du numérique, ce fameux code qui vient même supplanter. Monsieur Volontan, restons dans le cadre des libertés individuelles et collectives. Monsieur, y est-on dit, le code pénal et la politique pénale, vous savez, ce sont les orientations que le ministère de la Justice détermine et met à la disposition de l'appareil judiciaire pour la poursuite et la répression des infractions. Et là, l'appareil judiciaire, en réalité, devient un instrument au service de cette politique pénale. Et vous n'êtes pas sans savoir, en réalité, que notre code, le code du numérique, dans ce code, l'interprétation et la qualification des faits se font de manière ingénieuse, de sorte à ce que quiconque est recherché en fait, est dans l'œil du viseur de ce gouvernement, n'échappera jamais à leur étau, qui est un véritable loup prédateur. L'objectif est simple, s'assurer d'insuffler la peur panique pour que tout le monde reste tranquille. C'est tout simplement ça. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Béninois aujourd'hui ont peur? Est-ce qu'ils ne s'expriment pas librement? Dans les faits. Les Béninois s'expriment librement. Kazmi Pejo vient de voir son procès, le 10 août dernier, être reporté, je crois, pour la 17e fois. Oui, question de liberté, on revient sur la question de liberté de presse. Oui, je parle de liberté individuelle et collective, vous vous excusez. On y reviendra. Mais oui. Ce que je vous dis, c'est, en réalité, le Bénin est... Quand le président Talon,
le 26 avril à Paris parlait de désert de compétences. En fait, vous savez, il y a un phénomène scientifique que l'on appelle la kakitoscratie, qui est tout simplement la promotion de l'incompétence par l'incompétent lui-même. On s'entoure d'individus que l'on assure, que l'on contrôle dans leur incompétence, parce que soi-même, on est totalement incompétent. Et c'est en réalité ce qui arrive dans ce pays-là. Le code pénal, notre code pénal et tout ce qui l'entoure aujourd'hui vont chercher les faits dans l'ingéniosité du moment face à la circonstance. Est-ce que M. Agbaka peut nous dire quelque chose par rapport au fait du code pénal, c'est-à-dire ce code pénal là que nous avons, le code du numérique, les délits de presse ont été sous le président Yahi, puisque vous refusez que je parle du président, de l'époque du président Yahi, mais vous référez, vous allez même plus loin à parler de l'époque du président Kérékou. En réalité, vous êtes dans une circularité qui n'a pas de sens, mon cher ami. Monsieur Avolonta, merci pour le regard par rapport aux institutions. Oui, comprend la question du code pénal. Pour vous, aujourd'hui, on est à l'heure du bilan et la perfection, dit-on, n'est pas de ce monde. Pensez-vous qu'il y a effectivement des tests qui semblent être faits exprès pour mettre en difficulté? Et pour quelle fin? Pourquoi il faut tailler des tests sur mesure? Vous, comment appréciez-vous alors le code? Et vous parlez du code numérique. Non, le code pénal. Parlons du code numérique. On y revient, ne vous en faites pas, c'est pourquoi je dis. On fera la part des choses. Le code pénal, oui, voilà. Le code pénal, tel que c'est aujourd'hui, disons, mais tous les Béninois en confiance et leur demande de faire très attention parce que, et c'est ça, je le dis, je le répète, vous êtes libre, d'accord, mais votre liberté ne doit pas nuire à autrui. À partir de ce moment-là, vous serez frappé par la loi. Ça, c'est clair. Et en ce qui concerne le numérique, parce que moi, je ne ferai pas ce discours, ce discours digressif, entre guillemets, pour emballer tout le monde. Non, moi, je ne suis pas dans ce schéma-là. Lorsque nous voulons dire des choses, allons droit au but et soyons précis. J'ai parlé tout à l'heure. Le code du numérique, oui. Dans tous les pays du monde, c'est encadré. On ne peut pas, parce que voilà un domaine où le contrôle est très difficile, où n'importe qui peut se lever. Vous savez de quoi il est question. Vous savez de quoi il est question. N'importe qui peut se lever, écrire de n'importe quoi sur n'importe qui. Et il fallait encadrer tout cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans tous les pays du monde, on est d'accord qu'il faut effectivement faire attention à tout ce qui est publié. Liberté de presse, liberté individuelle et collective, le Bénin est-il sur la bonne piste ou pas? Non seulement nous sommes sur la bonne voie, la bonne piste, mais nous devons encore aller un peu plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Merci beaucoup. La fin qui justifie les moyens, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend le pays, son état général en 2016, à comparer à aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a vraiment du progrès qui a été fait dans ce pays. Votre mot de la fin, monsieur Avolonta. Alors, mon mot, c'est dommage, on n'a jamais le temps. Mais je vous dis, le régime dit de la rupture est un régime prédateur de tout, des libertés. Vous avez utilisé le mot prédateur plus de 50 fois. La démocratie, mais les gens vous auraient compris. La démocratie a besoin des démocrates, disait Friedrich Ebert. Et la démocratie fait référence à la protection et au rayonnement des libertés. Il n'existe absolument aucune transparence dans cette gouvernance économique du pays quand on installe ce climat de peur et de terreur pour instaurer la pensée unique. Mesdames, messieurs, merci à vous, chers invités du jour, monsieur, à volonté, monsieur. Sur la question de liberté individuelle et collective, ce sera tout. On se fausse compagnie. Vos citations du jour, je vous en fais grâce, on se retrouvera pour définir d'autres sujets et pourquoi pas avec l'accompagnement qu'il faut. Merci d'avoir été des nôtres.